إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله. Nous continuons avec nos leçons. Connaissance que nous profitons avec Ibn Taymiyyah rahimahullah, chapitre Kufr, Takfir, Iman. Et là, on arrive à l'explication d'après le classement. L'affection pour Ban Kufar n'est pas nécessaire Kufr. L'affection pour Ban Kufar n'est pas nécessaire Kufr. Ça, en passant, c'est un passage fini d'y aller. Et Allah subhanahu wa ta'ala, fin de faire nous connaît, il haut de nous, nous a content. Quand il y a l'Iman, nous nous en a dévoué. Pour qu'il y a un couple dans les guerres, il nous prend quand il y a l'Iman comme camarade et nous en a l'admité envers un couffard, quand il oppose la religion du Créateur. Et aussi, après le Coran, après le Hadith, celui qui lui peut prendre kafir comme allié, lui peut tomber dans le couffre. Lui tombe dans le couffre. Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah peut expliquer, est-ce que celui qui définit une certaine affection pour un certain kafir, nécessairement il tombe dans le couvre, il devient un kafir, ou bien il n'est pas nécessaire. Alors il dit, وَقَدْ تَحْصُلُ لِلْرَجُلِ مَوَدَّتُهُمْ لِرَحِمٍ أَوْ حَاجَةٍ فَتَكُونُ ذَنْبًا يَنْقُصُ بِهِ إِيمَانُهُ وَلَا يَكُونُ بِهِ كَافِرًا كما حصل من حاتم ابن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يبصم كان بيسون من الأفكشون في الكافر أكوز وغلاشون فاميليان وأكوز كي بيسوان ألو سالي أن بيشي كي تمينيه سو إيمان ملي بابين كافر بوسا كما تلك حاتم ابن أبي بلتعة. Lorsque tu écris Ban Mushrik ou info, Ban La, c'est une information du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous t'aimons, rahimahullah, c'est qu'il y a bien l'attention vers ça, c'est content un kafir, il nous a dit quelque chose qui peut faire sa musulmane content, sa kafir là. S'il est content, il y a cause, souffrir à ça, souffrir disant ça. Si les mécontents lient à cause qu'il s'est kafir la fin déjà aide lui, il y a encore toujours peut aide lui. Alors nous pas venir immédiatement à ça, ça nous venir nous dire ça du monde kafir, nous venir nous dire ça musulman, hein, musulman un kafir. Qui fait parce qu'il quand il est content sa kafir là, il est pas mécontent sa couf qui est là dans lui là, il est mécontent il souffre à distance, souffre à distance. Est-ce qu'il gagne droit? Non, il pas gagne droit. Il pas gagne droit. Content, souffre à kafir. Même si c'est son propre frère disant, il n'y a pas le droit de monter un kafir. Mais seulement, il me termine à la fin de la plaisir. Il est possible qu'il est content à cause d'une certaine relation qu'il a, une relation disant, ou bien à cause d'un certain besoin, d'un certain profit qu'il gagne avec lui. Alors, il me termine à dire, ça, c'est pas un péché, c'est pas pour. C'est pas pour. Et il donne l'exemple. L'exemple de Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a, qui s'en a ça? Sahaba. Sahaba, radiallahu anhum, qui participe dans la guerre. Dans la guerre Badr. Au contraire, c'est à sa, quand ça l'occasion la même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit avant qu'il participe dans la guerre Badr. Fait à ceux qui sont là pour faire, c'est pourquoi j'ai mon flippant d'une zone. Ben, qu'il participe de la guerre Badr, et j'ai déjà une de ces autres destinations. Mais Hatib ibn Abi Balta'a, qu'il est arrivé fait à lui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide pour le Makkah, pour le conquérir à Makkah, les décrire, ben, mouchrik Makkah, les personnes connaissent les prophètes féminines. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dégage ça un secret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dégage un secret. Aucun musulman, aucun sahaba, pas dit, pas l'esconné qui nous vient dans la direction Makkah. Pas l'esconné qui nous vient dans la direction Makkah. Hatib ibn Abi Balta'a, qui l'a fait aller, il contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'info
croyez l'équipe à Boujahal, l'équipe à Boulahab, les prophètes péminiens, des affaires ou des affaires graves? Des affaires graves. Et Omar, radiallahu anhu, quand il arrive comme ça, Omar, radiallahu anhu, dit au prophète, laisse-moi tout, il dit, vous n'avez fait que ça. Un monafique, ça, il peut faire nos secrets, arrive jusqu'à Ban, à nos chéris, à nos ennemis. Un monafique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit non, pas un monafique. Et Hatim ibn Abi Balta, il dit au prophète, laisse-moi expliquer qui fait mon fils à ça. Et j'ai dit, je suis un djimoun qui, je suis dans un proche dans ma cas. Je suis dans un proche dans ma cas. Mon père, donc un proche dans ma cas. Alors, mon nous, les qui, comme on peut faire, je suis comme ça, je dis, à travers ça, je suis capable de protéger nos familles là, là-bas. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve que c'est pour sa raison là. Il n'est pas une fière, il n'est pas une monafir. Il n'est pas comme Adjaf, il nous les vannes à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous les gagne un avantage avec un kafir. Il nous les gagne un certain avantage avec un kafir. Est-ce que le prophète veut dire les kafir? Non, le prophète veut dire habitant jannat ça, parce qu'il participe dans la guerre. Dans la guerre, pardon. Mais il n'arrive rien à rire. Oui, il n'arrive rien à rire. Il n'arrive à faire un certain erreur. Tout une sale faire erreur. Alors, ça c'est l'exemple qui Ibn Taymiyyah rahimahullah m'a donné. Un djimoun n'est capable, il a une certaine affection pour certains kafirs. Il n'est pas fini dans cette affection-là à cause qu'il est content sur le coffre, il est content sur le chirque, il apprécie sur le coffre, sur le chirque qu'il veut faire. Il y a une certaine relation, une certaine affection pour lui à cause de la choudissant, à cause d'un certain avantage qu'il a gagné. Vous pouvez quoi nous dire un Michel Boy avec un chrétien, avec une madame Zouif. Alors il est content sur madame, il est content sur madame. Alors, ça, un content-là, il est parti un démon en dehors l'islam. Alors, ça, il est important, ça, mon explication qui fait. Parce que c'est erré dans sa bonne chapitre qui ban khawarij. Vous commencez à faire takfir ban djimoun. Ça n'a pas musulman, ça n'a pas musulman, ça n'a pas musulman. Personne n'a pas musulman qui fait. Parce que vous êtes content kafir. Parce que vous êtes content kafir. Alors, Ibn Taymiyyah rahimahullah peut dire pas tout content qu'un musulman content un kafir. Il est nécessairement fin tombe dans. Donc, couvre les filles divines et les cafés, pas ça. L'autre explication qui existe, basant l'autre la loi qui vient couvre. Et M. Taïmiya, rahimahullah, il dit Aïe, ou al-mustahil l'il-hukmi bi-ghayri ma anzal Allah. C'est-à-dire celui qui considère le jugement basant l'autre apporte la loi Allah, la loi apporte, c'est qu'Allah a trafiqué de l'Isan. Les considérer sa halal, c'est les kafir. Alors, dans le Coran, il y a un ayat que tu as dit, il dit, « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Celui qui n'a pas fait jugement, pas en l'eau, c'est qu'Allah a fait des saints, ça va être un kafir. Celui qui n'a pas fait jugement, pas en l'eau, c'est qu'Allah a fait des saints, ça va être un kafir. Alors nous comprenons pas ça, il est là. Celui qui n'a pas fait un jugement basant le Coran, le Hadith, il peut faire un jugement basant la loi insane, la loi humaine. Est-ce qu'il tombe dans le couf? Oui, il tombe dans le couf. La Torah dit « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Parce qu'il n'a pas fait un jugement basant ce qu'il a fait des saints, ça maintenant un kafir. Et ça, il est là pour un ulama dire sa ayat là comme je dis et cette ayat comme je dis à Abou Ban Khawarij viretoune sa même ayat là وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Papa Bézizma basant le la loi Allah sa banna ban kafir et j'y épouse tous les rois kafir qui fait qui fait parce que ce Papa Bézizma basant le ce qu'Allah nous fait des saints quand tous les rois dans le monde la kafir tout l'homme qui peut supporter ça les rois là qui dit kafir. Et tout le monde qui peut travailler dans le gouvernement de ça, les voilà, qui me dit kafir. Tout le imam qui appelle, dénonce ça, les voilà, qui l'a vu kafir. Et tout le monde moussoli qui vient demander ça, l'imam là. Kafir. Et bien finalement, là, tout le kafir. Qui fait parce qu'il y a un bail, comme je dis, non, pardon, ce qu'elle a fait ça. Et tout le kafir. Ça, c'est un khawari.
Il paraît comme seulement, ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. Nous avons besoin, nous prenons l'exemple d'ISIS. Quand commençait ISIS et Nusra, tiens, c'est au contraire un peu plus de qui se coupe sur les coups. Quand ISIS se coupe sur les coups, quand il peut montrer qui s'en allie, un peu plus de ma religion, Nusra, ISIS, nous pouvons la loi Allah, pour vivre nous l'islam, nous la guerre pour l'islam. Alors, quand on est maïli, il est blessé, d'ailleurs, si vous vous rappelez, il est blessé. Alors, quand il est blessé, il croit que c'est l'armée Bachar al-Assad qui capture lui. Alors, il dit une certaine parole, comme dit Ali, mais ça fait comme ça. Il veut croire qu'il est dans la même là. Et en réalité, il est dans la même chose là. ISIS. Quand on a fait questionner, il croit non, mais moi, avec je même moi, c'est moi, il est l'île, nous sera. Quand on a pas de l'occasion, il fait une coupe sur lui. Et ce qu'il veut retirer, ISIS et nous sera. Hier, je tiens ensemble. Hier, je tiens une seule équipe. Hier, je tiens une seule aqida. Et forcément, les escars aujourd'hui, malgré que je peux tuer un à l'autre, je dois encore, je sous d'une seule. Je peux aider en cause, pas mal aujourd'hui, ça va être autour, c'est pas. Même ça fait. Hier, je suis ensemble, je dis un peu tuer, un peu couper les couleurs. Qui fait pas d'accepter un djinn comme khalifa. Pas accepter un djinn comme khalifa, finit kafi. Allô? Vin kafir pour un khawarij, ça c'est plus facile qu'il y a les mouna. Quelque chose plus facile qu'il y a pour un khawarij, c'est les mouna, un musulman vin kafir. Ça c'est plus facile qu'il y a. Et qu'en vérité, d'après l'islam, le prophète, d'après l'islam, en sahaba, quelque chose plus difficile qui capable d'exister pour ça, c'est un musulman vin kafir. Ou dire un musulman kafir. Un djinn qui prononce kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam via salat ou djinn kafir, c'est un djinn qui chose qui vous fait ça. C'est un djinn qui chose qui vous capable de pas gagner de quoi djinn musulman kafir. C'est un djinn qui chose plus difficile pour un khawarij qui est un djinn chose plus facile, pas plus facile, vous avez un plaisir à ça. L'inafa musulman, les mille kafir, alors les murtad, ce qui s'est dit, il vient halal coupé. Ça se dit, ça se dit. Alors ça a dit là, « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Ce site Koutoub vient dire ça, il est allé en sa même. Et il m'a dit qu'elle venait virer pour nous avec sa même. Le bail, comment dire, on vient mettre les testaments dans, c'est-à-dire, les baisers, virer pour nous, sa même. Et virer pour nous, « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Il finit explique ça dans nos livres, Khawarij. Il est là pour sortir même. Avant ça, il est sorti. Cette raison fait le pas d'accord. Le conseil va le faire. Autant je dis ça, ça il est là, surtout pour dire avec 20 enfants dans la case. Cette raison fait le pas d'accord avec différents groupes, avec Ban Khawarij, avec Ban Deoubadi, avec Ban Brevi, avec Ahbash, avec Qur'ani Youn. Et le prochain livre qui est sorti, c'est Khawarij. Et là-dedans, il répond à sa argument. Quand on a un khawarij, je t'attrape sa ayat là pour dire celui qui va avec l'assisement, le Coran est kafir. Celui qui va avec l'assisement, le Coran est kafir. Alors il y a une explication. Là, un peu une explication. Il y a 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 un peu une explication. Celui qui est fait assisement, un autre apporte ce qui a l'air de faire des années, il considère ça halal, c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. Quant à celui qui lui connaît, lui, mis un assisement, basant le Coran et le Khalil, mais seulement faiblesse dans lui, lui peut faire assisement, basant les autres petites choses. Est-ce qu'il a fait? Non, il n'est pas un kafir. Parce qu'il fait, il paraît comme tout péché. Et il y a cette logique. Un djibou qui paye là, un djibou qui paye là, non, qui paye chez nous par expert, il n'est pas coquin. Il paye là, il n'est pas coquin. Est-ce qu'il nous peut attendre un djibou qui paye là, non, il peut faire zizement par exemple, un autre apportoral, qui zizement lui? Il paye là, non, qui zizement lui paye? Alors, c'est ça que nous devons comprendre. Péché de celui qui gouverne un pays, qui est le péché qui le gouverne? C'est le péché d'un gouverneur.
moi, moi, je dis qui m'ont fait non, il y a des propos. Qui me fait mourir? Pour me faire pécher dans le pot. Un dimon, il y en a un petit peu d'argent. Il faut pécher de un dimon qui a un petit peu d'argent. Ça, un dimon, il fait pécher de ce qu'il y était. Alors, si comme ça, il y a un gouverneur, comme il fait un rire dans ce zizement, il n'a pas fait zizement basé dans le Coran, il vient kafir, il va se parler, mais tout gouverneur pour une kafir. Tout gouverneur pour une kafir. Alors, nous disons, ban gouverneur, quand je suis arrivé vers Zizman, par exemple, le apport pour un hadith, par exemple, nous disons, dans un pays, fait comment dire, alhamdoulilah, la ramille pas comme ça, fait quoi dans l'Égypte, fait comment dire dans l'Égypte, celui qui fait une coquin, pas pour couper sur la main, pour emprisonner, disons, 5 ans, disons. Ok? Ça, c'est, fait comment dire, ça la loi là, je mets ça la loi là dans ce pays. Est-ce que c'est une loi basant le Coran, hadith, ou bien basant le Djimoun, c'est qui fabrique, qui est c'est qui Djimoun fabrique, qui a un droit, pas qu'il y a un droit. Non, pas qu'il y a un droit. Il n'y a pas qu'il y a un droit de laisser ce qu'il y a dans le Coran pour nous appliquer ce qui insan, les fabriques. Allah India, quand Djimoun est le coquin qui vous a fait, coupe cela, mais ça c'est la loi là, nous regardons comment dire ça la loi là. Non. Le fait qu'on a dit l'Égypte, Manel Media, celui qui est coquin, nous ne pas coupe cela, mais. Nous vous emprisonnons par 5 ans. Donc, d'après Saban Khawarij, qui arrive gouverner tout ban ziz, tout ban policier, tout ban alim, tout ban imam, tout ban moussali dans l'Égypte, qui arrive, tu viens une kafir. Tu viens une kafir. Nous, j'ai un seul qui nous pose question gouverneur. Qui la loi Allah concernant celui qui coquin? Dis-moi, qui la loi Allah? Qui est-ce que tu fais couvre avec ça la loi, tu résèdes ça la loi là ou tu crois là avec qui bouge? Non, mon crois là. Et qui vient t'en appliquer là? Pas qu'à appliquer là. Sa réponse, pas qu'à appliquer parce que l'Amérique pour mettre pression, le pour mettre pression, les pays pour révolter. Qui s'en a qui t'a besoin de payer là? L'Amérique ou bien Allah? Ou bien Allah? Ou bien Allah? Mais que t'as fait l'Amérique? Ouais, mais pas bon, maman. Et toi, ça dit qu'on a dit qu'il y a fait là. Est-ce qu'il fait couvre avec la loi Allah? Il dit, moi, n'a pas d'accord. Voler sur la même, j'ai coupé. Moi, je dis, c'est la loi qui m'a appliqué. Ça, la loi là-bas. Il dit ça, là, il n'y a pas de ça à aucun moment. Alors, c'est ça qui, il me dit, rahmatullah, il me dit, quand un gouverneur, il met, permettre la loi. Il peut contrer le Coran et le Hadith. Pas veiller à l'infirme. Pas veiller à l'infirme. Couvre, c'est quand un décret illégal. Ça, quelque chose là, est halal. Quand il fait la loi, il précisément. Basant l'autre, que c'est qu'Allah t'a fait des salles. Quelque chose qui, quand il peut contrer le Coran et le Hadith. Quitte le jugement Coran et le Hadith. Attrape le jugement insan. Mais dire considérer ça halal, c'est ça qui couvre. Mais c'est un jour qui vient ça, on dire pression, faiblesse, et les bédou aussi, les voilà, puis ça va nous aider la loi là, sur les coups, il y a nous fait ce poste, il y a un hack, c'est pas qu'il y a des mouvements avec Sharia, maintenant vous mettez bombe dans ce avion. C'est une faiblesse. Il y a raison là, il nous donne raison là. Il ne va pas donner raison, nous. Il ne va pas donner raison. Parce que la loi, Allah, vise à prévaloir le requête, l'orati Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, ce qui nous permet de l'enfage, nous, là, nous pas gagner droit de dire le car il n'y a pas de couvre avec la loi, Allah, il n'y a pas de couvre à aucun moment, il n'y a pas de couvre avec Allah sur la loi. Si les gens ne sont pas d'accord, ne sont pas accepter ça qui nous sauve, là, là, il y a. Et là, en passant, il dit bon, voyez, on a fait l'attention. Ben, l'équipe, les tests avec le montagne, vous voyez? C'est-à-dire, ça fait Ida Manon. De faire pouvoir avec Ali de l'Arabie Saoudite. Quand Moufti l'Arabie Saoudite finit dire, brille fait rouge les haram. Moufti l'Arabie Saoudite finit dire,
brille, qui est rouge, qui est haram. Alors, bye, vous m'appelez, c'est Adel. Il y a que ça moufti là. On va dire, la loi insane, comment dire la loi insane, il est haram. Il y a raison, il y a nos moufti qui a raison. C'est ça qui a raison. Le mufti qui a raison. Numéro 1. Quand on dit pas faire zizement, le apporte au Coran, qui veut dire ça? Est-ce que ça veut dire ne pas gagner droit, mettre ban nouveau la loi qui pas peut contenir le Coran et le Hadith? Ou bien ne pas gagner droit, venir avec ban la loi qui contenir le Coran et le Hadith? Qui veut dire ça? Faire zizement, l'autre apporte ce qu'elle aime faire descendre. Faire zizement, l'autre ce qu'elle aime faire descendre. Qui veut dire, qui s'affiche là ça? S'affiche là c'est, vous pouvez venir avec ma nouvelle loi qui va mentionner dans le Coran et Hadith. Ou bien, s'affiche là c'est, vous pouvez venir avec la loi qui contre le Coran et Hadith. Qui s'affiche là ça? S'affiche là c'est, vous pouvez venir avec la loi qui contre le Coran et Hadith. Parce qu'il a tout dit, une de nous permissibilité, qu'il y a, une de nous permissibilité, veut dire, pour pas même nouveau la loi, d'après les temps, d'après le pays, d'après l'autre, tant qu'il va contre le Coran et le Hadith, pas un problème. Un gouverneur, il met trop un problème dans son pays. Alors, il réunit Manali qui veut dire, puis on connaît le Coran et le Hadith, Alors, j'avais. Nous mettons ça comme punition, nous prenons ça comme une mesure. Quel droit, pas quel droit? Quel droit, pas de problème. Alors, la loi insane, pas dans tout cas qui est haram. Pas dans tout cas qui est haram. Alors, là, nous mettons le feu rouge. Qui sait le Coran, le Hadith qui fait rouge, mais peut contre déjà ça? Il y a la loi, il y a le Coran, le Hadith qui peut contre déjà ça? Non. Au contraire. Les abondants ou bien non? Mais ce n'est pas grave qu'il m'aille pour dire faire rouge. Il s'en toi qui me dis à moi arrêter, moi je ne vais pas rouler, hein, moi. Allah va me dire à moi arrêter. Si Allah dit à moi arrêter, on va arrêter. Il parle là, papa. Il parle là. C'est bon, dis-moi, il parle là. C'est un qui veut dire qu'il parle de Khawarij, comment on parle là. Il dit non, faire rouge, ça, il s'en sur la loi, ça parle Allah sur la loi, rouler même. Mais ce que tu dis eux-mêmes, c'est moi, c'est là, ce madame, ce sont pas voir les aiguilles. Il y a qu'on ne peut arrêter. Elle doit arrêter. Je vais aller tout seul, l'ex des camarades, comme on dit, il ne paraît pas faire jihad. Libre, comme on dit, l'ex des camarades, pour aller hier dans le dos, il a fait rouge. Qui est-ce que tu as là? Eh, ben allez, qui m'a arrêté là? Lui-même, seulement, c'est là, son madame, ex des enfants, pour aller hier. Arrêtez, attention, comme on dit, à taper. Alors, Moufti, l'Arabie Saoudite, qui a dit, il est haram pour briller le feu rouge, numéro 1. Quand gouverner, il met ça à la loi, là, nous gagnons le droit de désobéir, nous gouverner, nous. Nous gagnons le droit de désobéir les rois quand la loi met les rois mettent la loi. Pas gagné le droit. Aussi longtemps qu'il n'y a pas fait de nous pour contrer le Coran, mais si les rois ont déjà fait rouge, arrêtez, qui nous a bien. Arrêtez. Il est obligé d'obéir. Celui qui veut désobéir, il veut faire un péché. Il dit, ah, et déjà, qui chose qui est là, quoi dire, qui risque et n'a pas fait. Brille le feu rouge qui est là, accident, vers la vie, depuis 10 mois, vers 10 ans, 10 mois. Alors, mais comment ça va, 10 mois là, quand une pro-ISIS, c'est 20 mois qui, comment dire, je vais un petit esprit. Comment l'histoire d'ISIS, là, pour dehors, là, des tests américains, là, feu rouge, c'est pas un truc fait, je l'ai mis, je l'ai mis, mais c'est ma sanction, pour un droit qui verra. Parce que le Coran va dire, le Coran, le Hadith, pas dire, mais faire rouge, je sais pas, couler vert, rouler, faire zone, prépare à rouge, je sais pas qui était, pas dire tout ce manchon et tout ça là. Alors, il y a un peu autant. Parce que même ça fait, ça va être Khawar, il y a un gros ISIS, je ne fais pas fier l'Arabie Saoudite pour certainement la loi humaine que l'Arabie Saoudite est adoptée. Est-ce qu'il vraiment l'Arabie Saoudite vient adopter certaines lois humaines, oui ou bien non? Oui, il a adopté. Oui, il a adopté. Qui ça va la loi là, ça? C'est pas la loi qui peut contredire Coran et Hadith.
La loi qui parle contre le Coran et le Hadith, ça n'importe qui, ça n'est qu'il n'y a pas de science ou de charia, n'importe qui, ça n'y a pas de politique islamique. Et comme vous commencez, quand le chart est là, ça fait kitab illah, va ou abadil, va l'okala, mais à ta chart, et tout va nous. Condition qui n'a pas trouvé dans le Coran, c'est une fausse condition, même si c'est sans condition, pour venir tout fausse. Quand il y a peine à lire le Coran, qui veut dire ça, Hadith, quand peine à lire le Coran, il est clair dans l'explication, Mme Lama, toute condition qui contredit le Coran, toute condition qui contredit le Coran, c'est une fausse condition, même si on est quand même, même on est sans condition. Si ça sans condition, avec contre le Coran, à l'intérêt, il reste. Si on est sans condition, si on fait ça, on fait ça. Si on fait ça, on fait ça. Si on fait ça, on fait ça. On est sans condition, pourquoi dire qu'on organise le pays, qu'on organise le Djama. Oh, ça sans condition là, aucun là-dedans pas mentionné dans le Coran et aucun là-dedans pas contre le Coran. Gagne droit, pas gagne droit. Gagne droit, par exemple, on va donner la loi. Quand on aller mais à quoi on n'a pas oublié qui est ouvert ça la route. On va comment ça la voir? On va peiner le Coran. Est-ce que besoin et nasa le Coran quand il mettait à quoi dans la mosquée, faudrait pas ouvrir la route. Bisanya dalam Quran hadis tak, moga yang dua kekuan yang mampu media masjid, kekuan mampu media masjid. Mampu media masjid, meten lalu ada sama masjid lah. Kamu media kon, bisa faham salah kau lah. Sekian di mulai kita sa lalu insan dulu sih setelah Quran tu, empat gelapan khawarij seban empat gelapan khawarij seban empat gelap. Alors, il y a pourtant qu'on voit ça dans cette chose-là. C'est ça même qui, comment dire, quand du monde va comprendre les merveilles. Ouais, maintenant, avec les gisements, l'autre apporte le Coran, ça n'a pas l'air de Coran, ça a résidé, nous nous suivons juste le Coran, le Hadith. Mais le Coran, le Hadith, comment dire, juste ce qui est là dans le Coran, le Hadith, ça même du Coran et le Hadith, il y a tout quelque chose qui, par contre, du Coran, le Hadith, on continue. Quelque chose qui part pour le chrétien pour la loi, la loi, la loi, parce qu'on se dit Ibadat. La différence entre Ibadat et la loi, halal, haram, quelque chose qu'on se dit business, quelque chose politique. Ça, tant que par contre le Coran Hadith qui dit, nous avons un film. Tant que par contre le Coran Hadith, moi, avec ma djadja, dans le bébé de l'ascenseur, puisque c'est un jour dans le monde là-dedans. Nous avons un droit, nous avons un droit. Parce que ça c'est façon que vous administrez vos masjid, façon que vous administrez vos pays, il n'y a pas de problème. Mais si elle a une petite chose dans le Coran, il dit voler ou psoulam. On dit non, voler en prison. Celui qui fait zina, lapide lui. On dit non, celui qui fait zina, aboyer en prison, je ne sais pas qui. Il y a un droit. Ça, pas de problème. Ça, c'est important. Parce que. Quand on travaille, je ne comprends pas ça. Je fais ta fille, tout le monde, je fais ta fille, tout le monde gouverne. Il y a quelque chose qui dit à elle. Et il y a quelque chose qui gouverne, elle, il y a un droit qui vient avec ça. Péna il y a le Coran, péna il y a le Hadith. Mais il y a un droit qui vient avec ça. Qui fait, moi, ce qu'il va mettre mon déjà, Coran et Hadith. Est-ce qu'il va faire couvre là? Il va faire couvre. Déjà, même quelque chose avec mon déjà, Coran et Hadith. Et l'IPVL, est-ce qu'il y a une couvre? L'IPVL, couvre? L'IPVL, un couvre, mais pas nécessaire, un grand couvre, pas nécessaire, mais gravir, aussi on doit qu'il n'y pas légal, légaliste, quand il légalise, les là qui, les vins, les vins, un gravir. Le place, mon Seigneur, rahimahullah, il dit, ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. Peine à tout celui qui n'est pas dans sa conception là, qu'il est obligatoire faire zisme en basant le ce qu'Allah fait faire des salles de ce messager, sa personne là, il y a un kafir. Qui s'en est un kafir? Et peut-être, bien, Rahimahullah, c'est celui qui lit les naxes comme sa conception, il n'est pas obligatoire suivre le Coran. Il n'est pas obligatoire. Suivre le Coran, ça c'est une conception. Il ne faut pas obliger le Coran, il y a un couple là même, il ne faut pas obliger de suivre ça. Le Coran, il y a lapidé, il ne faut pas obliger de suivre ça. Il me dit bien qu'il y a rien. Il y a un kafir. Il y a un kafir parce que nous tous nous obligeons d'après ce qu'il y a dans le Coran et le Hadith. Mais celui qui
accepter lui, oui, bisinvestissement, pas sur le courant des calibres, mais c'est mon moi qui fait lui. Mais seulement, mon n'a pas fait lui. Faiblesse dans moi, pression l'eau, moi, mon pays, attention, maintenant, certaines révoltes contre moi, mon pays, attention, maintenant, une assassine, moi. Allah, comme les est-ce qu'il y a des gens qui viennent à la conception pas nécessaire, il n'est pas obligatoire, faisant le Coran, ou bien l'hypéconie qui vise faisant le Coran, des faiblesses dans lui. Qu'est-ce que c'est ça? Faiblesse dans lui. Faiblesse dans lui. Alors, est-ce qu'il est un kafir? Non, il n'est pas un kafir. Non, il n'a pas un kafir. Alors, ça prend ça comme un principe. Takfir, c'est bien quelque chose qui vous paye ça. C'est bien quelque chose. Tant qu'à pas, nous ne pas si bien sûr. Sinon, il y a ça. Non, peut-être il y a ça. Par exemple, pour moi, c'est une logique. Ça, maintenant, il fait ce takfir. Bonjour, là, c'est une logique. Un petit musulman avec son. Michel Kafir. L'article là, un peu d'avancement là, religion pas de vine envoyer entre nous. Religion pas de vine envoyer entre nous. Un peu d'avancement. Est-ce qu'il nous dit ça, madame là, une vine mortelle, une vine kafir ou bien non? Est-ce qu'il nous dit, une vine kafir ou bien non? Alors nous dit, pas pressé, pas si j'ai kafir, pas si j'ai kafir. Je pose question, madame, là. C'est au Michel, là. C'est qui te voit, là. Il dit à toi, si pas un tel créateur, est-ce qu'il peut accepter comme créateur? Oui ou non? Si, oui, moi, accepter comme créateur, oui. Moi, on va croire là-dedans. Moi, je suis dans ma religion, je crois dans ma religion, l'idée dans sa religion, je crois dans sa religion. Mais c'est pas comme nous le comptons, comme nous ne trouvons pas religieux, il y a entre nous. Est-ce qu'il y a un kafir, ça, madame là? Non, il n'y a pas un kafir. Est-ce qu'il y a un droit marié avec un kafir là, non? Il n'y a pas un droit avec un kafir. Il n'y a pas qu'il y a un droit marié. Qui nous veut dire, est-ce qu'il nous dit un kafir ou bien non? Si il dit, moi, Coran, Hadith, il n'y a pas un droit. Moi, je dis qu'il y a un droit marié. Moi, je dis qu'il y a un droit marié. Là, qui nous dit, là, il y a un kafir. Là, il fait rire. Là, il fait rire. Mais si les gens vont accepter ce qu'il y a dans le Coran, vont accepter ce qu'il y a dans le Hadith, et vont connaître ce qu'il y a dans le Coran et le Hadith, ça c'est vrai, vous connaissez l'islam, sa religion qui est vraie, l'autre là, sa religion, vous connaissez fausse religion, ça c'est mon compte en ligne. Mon compte en ligne, mon argument est en ligne. Et mon bantrou, comment dire, mon islam parle en plus pour moi, moi, il y a une question. L'islam, c'est ce faiblissement. Ce faiblissement, ce l'ignorance. Alors ça, tu m'as dit qu'il y a un kafir. Et d'ailleurs, il les a fait une explication là. C'est toutefois un petit fille qui quitte l'islam, qui parle avec un gosse, un kafir, qui revient voir lui. Ne explique-lui, ne explique-lui, ne explique-lui, ne explique-lui. Il y a des gens qui lui viennent voir rien. S'il peut assister même, qui a une parole qui nous gère? Je ne sais pas demander son idée. Si tu peux aller, même bien faire, s'il n'a pas fait, pas fait. Si tu peux en venir aller, elle fait Zina, mais n'a pas fait un couf avec Allah. Ça, c'est des paroles qui nous dit à lui. Et nous dit à lui, nous l'avons trouvé. Pas fait comme un papa imbécile, et ça va. Pas une qui n'a allé là, nous pas qu'on rêve, nous dit à 99.9%, nous là, les vignes qui sont là, nos papas là. Comment vous avez dit à contacter le café? Comment allez-vous? Parce que ce contact avec le café, il est venu contact avec. Comment? On ne peut pas confier dans la case. 99.9% est comme ça. À ce temps, quand tu viens, il est content, il peut aller, papa là, tu vois. Moi, je finis mort pour toi, tu finis mort pour moi, tu n'as pas remis de te limiter devant mon apport, moi, je suis un magnet, tu sais que tu n'as pas mis de copia. Qui te semble poser là où il est? Quand je vais expliquer, je fais l'islam, dans ce sens-là, je fais des combats d'islam. Ah, ça, c'est tout, mais vous avez gaspillé ça. Là, c'est qu'il peut aller. Là, vous avez déjà dit, mais il peut aller. On peut conseiller quoi? Tu peux pas gagner un cogné. Donc, couvre, retourne vers l'islam, n'importe quand. Si tu peux faire une erreur, on peut conseiller quoi? Si tu peux dire, toi, tu peux mal faire, pas faire ça, erreur. Tu peux persister, tu peux faire erreur. Demain, tu gagnes un cogné, pour la porter, grand ouvrir pour toi. Tu peux aller dans couvre. Moi, j'ai un imam, tu vois, j'ai ouvert la porte, on l'a coulé ça pour ouvrir. On me dit, la porte grand ouvert pour toi. Tu retournes n'importe quand tu as un problème, tu te fais.
te retourner pour moi, pour ton papa, pour ramasser toi, te revivre normal, te mouler l'islam. Mais bien, quand il va parler, il va dire, te parler, mettre les pieds, ou te l'autre, si il a un problème là-bas, il dépense pour retourner, c'est à dire, bouger. Il te retourne comme ça, papa, il dit à toi, pas retourner, là, tu vas bien pousser là-bas. Ça, c'est rire, ça, c'est rire. Alors, nous venons faire la différence entre péché et couvre. Faire la différence en péché avec vous. Alors, ban khawarij pour vous autres, comment faire un péché qui n'arrive? Avec un mouchrik. Il m'a dit avec un kafir, c'est ça mouchrik ça. Il m'a dit avec kafir, kafir. Non, non, non. Je n'ai pas dit avec un kafir, mais si vous demandez à lui, ça, vous trouvez cela, ça qui te prie, il vous dit ça, comme vous voyez, vous les chansons, vous les prie. Ça, tu veux qu'il m'a dit avec un kafir là, peut-être, lui dans son équipe, il vous dit, moi, vous priez à Boudros, impossible. Et vous, dans le livre, avec un qui prie, qui fait, c'est l'amour, l'incontent, il fait une religion en vérité, pas perdue là, dans la vie. Oui, mais il y a un droit, il n'y a pas un droit à faire là. Il n'y a pas un droit, ça, nous, tout connaît pas un droit. Mais nous, veut dire, est-ce qu'il couvre ou bien péché? Est-ce qu'il couvre ou bien péché? Alors, déjà, non, c'est un péché. C'est un péché. Et là, il fait qu'il a vivre dans Zina. Il a dit, elle vit dans Zina, n'a pas tombé dans Koufou. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Mohamed.